Loué soit Jésus-Christ, Dieu incarné, pour nous révéler la vérité qu'il est lui-même. Jean 18, 37. Sa paix soit avec vous. Les chrétiens, contrairement à ce dont les accusent le Coran et les musulmans, ne sont pas des associationnistes puisqu'ils n'associent rien au seul et vrai Dieu en affirmant qu'il est Trinité. En effet, pour Dieu, tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, être unique ou trinitaire, c'est la même chose. Jésus-Christ s'est désigné comme étant le Fils, et par là même, il faisait référence à son Père, et encore à la relation qui nécessairement les unit. La Sainte Trinité est la communion de trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ensemble ne forment pas trois dieux, mais tout en étant chacune Dieu, un seul et même Dieu. C'est là le mystère de l'intériorité divine. La raison peut accepter une telle révélation en reconnaissant qu'elle n'est pas en soi contraire à ce qui existe déjà ici-bas, par exemple dans l'amour. L'amour, nous y voyons l'amant et l'aimé et la relation qui les unit. Ceux qui s'aiment ne font qu'un. Dieu est unique parce qu'il est amour. Il est amour parce qu'il est Trinité.